Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Le lutrin. Objet qui résiste. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Tige de fer couronnée par une lyre. Tige de fer. Tige de fer couronnée par une lyre. Lyre. Étrange ce mot. Lyre. Le lutrin a besoin d'aide pour sa gymnastique. D'abord les oreilles. En haut, puis on rabaisse les oreilles du lutrin. D'abord les petites, les grandes. Si on sait s'y prendre, si on ne se si, si on ne se si on ne s'entremêle pas trop pour le lutrin, le lutrin devient support. Si on ne sait pas, le lutrin coincé rouille. Ce lutrin-là est un lutrin solide, il a porté la closée, supporté les couinements, grincements, sifflements. Il a préféré balade à Ophélie. Pourquoi faut-il toujours donner aux objets des sentiments humains? Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Le lutrin, l'homme de Giacometti. Mais qui ne marche pas. D'autres disent pupitre, mais le pupitre est en bois, il est rempli de papier, il sent bon les écoles communales de jadis. Plus austère, le lutrin est au service d'un seul papier, parfois si petit, plié en 8. Un lutrin. Un lutrin. Est-ce que ça aime la musique? Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Les objets toujours résistent. Les objets ne se laissent pas faire. Les objets inanimés n'ont pas d'âme. Les objets sont nos ennemis, le lutrin échappe à l'appréhension. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Et nous, êtres animés, avons-nous une âme? L'objet résiste, l'âme résiste, le monde résiste. Il pleut, les voitures passent sur la route, des bruits viennent troubler le discours. Objets inanimés, objets automobiles qui passaient sur la route. Avez-vous donc une âme automobile? Les objets nous échappent. Le lutrin s'est en allé. Le micro capte les mots. Objets inanimés, avez-vous donc une âme?
comment saisir l'objet sans lui refourguer une âme dont il n'a que faire. Comment dire le monde? Comment dire les voitures qui passent sur la route? Comment dire la pluie? Comment dire le micro, le trépied en face de moi, l'œil noir qui me regarde, sur lequel il est écrit « canon », comme si j'étais bombardé. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Si vous en avez une, objets inanimés, donnez-moi un bout, rien qu'un petit bout. Le lutrin. Parfois, ça sert à donner un supplément d'âme à celui qui en manque.